Bien, je vais vous montrer comment créer et monter une image ISO sous Linux. Donc, j'ai inséré dans mon lecteur de DVD un DVD et je vais repérer tout de suite mon périphérique lecteur DVD avec la commande cat qui nous permet de lire le fichier stab. Alors, il est ici, DEVHDC, qui correspond à mon lecteur de DVD. J'ai aussi créé un dossier DVD qui va nous permettre de récupérer notre image ISO. Alors, pour créer notre image ISO, on ouvre un terminal. Ça se passe avec la commande dd espace if. Donc, if qui correspond à input file égale DEVHDC, qui correspond donc à mon lecteur de DVD. Un espace of, donc output file. Et il va falloir donner un nom à notre image ISO. Donc OF égale le chemin d'accès donc du dossier DVD, MNT FAT DVD. Et je donne un nom à mon image ISO. Et bien, tout simplement, je l'appelle mon image .ISO. Je vérifie ma ligne. Donc ici, c'est DEVHDC. Et je lance la commande. Voilà, donc tu es en train de créer l'image ISO, il y en a pour un petit moment vu que c'est un DVD, on se retrouve juste après. Bien, visiblement, notre image a été créée. Je vais vérifier ça dans mon dossier DVD. Voilà, j'ai mon image .ISO. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va monter cette image pour accéder aux différents fichiers de l'image. Et pour cela, donc, on va utiliser la commande mount sous Linux. Donc on continue. On ouvre un terminal. Je vais me créer un nouveau dossier pour monter mon image. Donc ce sera mkdir mnt fat. Je vais l'appeler Cédric. On utilise la commande mount était ISO 9660 pour la norme. Le chemin d'accès à l'image ISO, donc ce sera MNT FAT DVD mon image .ISO. Et le chemin d'accès donc à mon nouveau dossier que je viens de créer, donc le dossier Cédric, ça sera MNT FAT Cédric tiret O et le module loop. Et je lance la commande. Voilà. On va aller vérifier que l'image est bien montée. Voilà, je me retrouve avec un dossier audio TS et vidéo TS dans mon dossier Cédric. Donc c'est bien ça puisque j'ai créé une image ISO d'un DVD vidéo. Voilà.